4, il me semble, des 2 mois. Je ne veux pas vous demander si vous allez bien ou non, puisque plus de 2 milliards de personnes vont perdre leur travail ou le moyen de bien manger, malheureusement. La vie pour les gens qui n'ont pas l'argent, c'est triste. On ne peut pas souhaiter quelque chose qui ne peut pas exister, mais la santé, c'est le plus important. Il faut la garder. Une chose que ce soir, juste au départ de mon émission, je vais vous dire, ce que vous voyez, depuis des années, des siècles, on disait, oh là 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 là, c'est les juifs qui font tout, c'est les juifs qui sont riches, et la richesse, tout le monde, ça a la main des juifs et tout ça. Ce soir, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Avec sélection russe, Corona, vous avez pu constater qu'ils sont en train de mourir les gens de n'importe quelle religion, de n'importe quel pays, l'Israël, l'Amérique, l'Europe, l'Arabie Saoudite, la Mecque, les saints de l'Islam. Tout était touché. En plus, dans la liste qu'on va vous publier ce soir, vous allez voir que les riches dans le monde, non pas seulement les juifs, vous avez beaucoup de gens de d'autres pays qui sont milliardaires. Par exemple, je vous donne un exemple, si ça, je ne m'en parle pas, je m'en dis pas, c'est l'église spirituelle iranienne, Ali Khamenei. Il a plus de 1000 milliards de dollars. Combien? Plus de 1000 milliards de dollars. Vous vous rappelez de Gaddafi, Saddam Hussein, Ali Abdallah Saleh, et tous ces gens-là qui étaient milliardaires. Sans aucun doute, les gens âgés, plus de 75 ans, vont avoir peur. Cette peur est mortelle, mais ayez le courage, et la vie ne va pas rester comme ça. Le projet de loi que le gouvernement est en train de le préparer concerne certaines choses que nous avons déjà parlé, vous avez déjà parlé. On va voir si ça va être voté ou non, ça c'est autre chose. Mais juste au départ de notre émission ce soir, je vous invite d'écouter une petite liste des riches du monde. L'argent du monde est à la main de 2000 personnes ou 2200 personnes. Parmi 2200 personnes, il y a 100 personnes qui sont plutôt décisives, pression assez importante dans des décisions. Donc, cette nouveau club des riches n'a pas de ni culture, ni religion, ni ethnie, c'est mondial. C'est mondial, de l'Afrique jusqu'à l'Amérique, l'Europe, Proche-Orient, Moyen-Orient, Asie, partout. Ce soir, juste au départ de notre émission, je vais vous donner certaines informations assez importantes. Je vous prie de bien prendre note et enregistrer, parce que c'est très important. Restez avec nous. Possède la moitié des richesses du globe, en effet, et nous allons en citer quelques-uns. Voici les hommes les plus riches de la planète, et l'Américain le plus riche. Homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'impose également comme l'Américain le plus riche, et le seul du classement à posséder une fortune à 12 chiffres, qui est l'homme le plus riche d'Amérique du Sud. Le Mexicain Carlos Slimini, qui a en particulier fait fortune dans les télécoms, reste l'homme le plus riche d'Amérique du Sud, qui est l'homme le plus riche d'Europe. Le Français, Bernard Arnault, reste l'Européen le plus riche du monde, devant Amancio Ortega, pour la deuxième année consécutive. Le milliardaire tricolore affiche en effet une fortune personnelle de plus de 76 milliards de dollars, quand l'Espagnol, fondateur de Zara, plafonne à 62,7 milliards de dollars.
un patrimoine en baisse de 7,3 milliards de dollars par rapport au précédent classement. Qui est l'homme le plus riche d'Afrique? Citoyen du Nigeria, Aliko Dangote reste l'Africain le plus riche, avec des actifs estimés à 10,4 milliards de dollars, soit une baisse de 3,7 milliards de dollars sur un an, ce qui lui vaut de se classer 136e plus grande fortune mondiale, contre 100e l'an dernier. Sa fortune lui vient du ciment, du sucre et de la farine. Marié, père de 3 enfants, Aliko Dangote vit à Lagos, au Nigeria. Il est l'Africain le plus riche pour la 9e année consécutive. Qui est l'homme le plus riche d'Asie? L'Indien, Mukesh Ambani, s'impose comme le plus riche asiatique de la planète et 13e homme le plus fortuné du monde, grâce à un patrimoine global estimé à 50 milliards de dollars. Le milliardaire de 61 ans tire sa fortune de la pétrochimie avec l'entreprise Reliance Industries. Qui est l'homme le plus riche de Russie? La première fortune russe en 2019 est celle de Leonid Mikhelson. Le milliardaire russe est le président et fondateur du producteur de gaz naturel, Novatek, ce qui lui vaut une fortune personnelle estimée à 24 milliards de dollars, et la 32e place du classement général des hommes les plus riches du monde. Qui est le footballeur le plus riche du monde? L'Argentin, Lionel Messi, est le footballeur le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 111 millions de dollars, détrônant ainsi le Portugais Cristiano Ronaldo. Pour des raisons spécifiques comme le secret ou la criminalité, le classement officieux n'est jamais publié, celui qui regroupe la véritable liste des autres personnes dont les fortunes sont les plus colossales du monde. Voici donc une liste de 10 personnes qui feront certainement paraître Bill Gates pauvre, Kim Jong-un. Celui-ci pourrait surprendre beaucoup d'entre vous, mais Kim Jong-un figure bel et bien dans la liste des hommes les plus riches du monde. Nous pensons que tous les Nord-Coréens sont tous pauvres et affamés, et ceci est un fait avéré. Sauf que cela ne s'applique pas à leur chef. Malgré le fait que son pays soit si pauvre, Kim Jong-un est super riche. Lui et sa famille possèdent presque tout dans le pays et on estime ses actifs à plus de 170 milliards de dollars. La raison pour laquelle il ne figure pas sur la liste des personnes les plus riches du monde de Forbes est que la plus grande partie du PIB de la Corée du Nord provient de choses illégales, comme les activités du marché noir et la cybercriminalité. La famille Rothschild. Maintenant, nous n'allons pas parler d'une personne, mais d'une famille. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de membres de la famille Rothschild ne sont pas aussi riches que Bill Gates. La famille Rothschild est une dynastie d'une richesse inimaginable qui parvient à la dissimuler en grande partie sans jamais être publiquement reconnue comme la famille la plus riche et la plus influente au monde. Le revenu net de toute la famille équivaut selon les dires à 200 milliards de dollars. Et pourtant, croyez-le ou non, ce n'est que la 2e famille la plus riche au monde qui est classée première. Muammar Gaddafi. Avant d'être déchu, Muammar Gaddafi était le leader de la Libye. Adoré par certains, détesté par les autres, il avait énormément d'argent et était connu pour posséder des maisons, de grands bateaux et son fameux revolver en or. La richesse de Muammar Gaddafi était estimée à 180 milliards de dollars en 2011. Même après son décès, sa famille continue de profiter de sa fortune puisque plusieurs milliards de dollars se sont volatilisés. Pablo Escobar, et pour avoir été à un moment l'homme le plus riche sur Terre. Il n'a jamais figuré dans la liste de Forbes, vu la nature criminelle de ses activités, mais il possédait des dizaines d'avions, de demeures et de bateaux. Il avait également un zoo et un aéroport dans une de ses maisons. Et il dépensait 2500 dollars par mois juste pour acheter des élastiques pour conserver ses centaines de liasses de billets. À son apogée, Pablo Escobar gagnait 66 millions de dollars par jour et donnait 10% à sa ville natale où l'on surnommait Robin des Bois. Pablo Escobar était si riche que durant un hiver, lorsqu'il faisait très froid, Pablo avait brûlé 2 millions de dollars en billets pour faire du feu, afin de garder sa fille au chaud. À cette époque, Pablo Escobar était le plus grand trafiquant du monde. Son revenu net était de 155 milliards de dollars, faisant de lui l'homme le plus riche de son temps. Hosni Moubarak. Hosni Moubarak est un autre dictateur africain. Président de l'Égypte de 1981 à 2011, il a eu le temps de mettre beaucoup d'argent de côté. Hosni Moubarak ne figure pas non plus dans la liste de Forbes, pourtant il aurait amassé plus de 70 milliards de dollars en seulement 30 ans. Ali Abdallah Saleh. Ali Abdallah Saleh, qui a été le président du Yémen durant 3 décennies, poste que bien évidemment il a réussi à conserver en manipulant plusieurs élections. Lors du printemps arabe, il est confronté en 2011 à une révolte contre son gouvernement. Blessé lors d'une attaque de son palais présidentiel en juin 2011, il demeure absent de son pays pendant plusieurs mois, puis signe un plan de sortie de crise préparé par les monarchies du Golfe Persique qui aboutit à son départ du pouvoir en février 2012. Ali Abdallah Saleh reste célèbre pour son argent et pour les très jolies femmes qu'il payait pour passer du bon temps avec lui. Selon plusieurs sources, Ali Abdallah Saleh aurait caché 126 milliards de dollars dans une vingtaine de comptes bancaires secrets.
les Al Saoud. La maison Al Saoud n'aimant pas divulguer combien elle possède réellement, ceci explique pourquoi elle ne figure pas dans le classement Forbes. Cependant, selon certaines sources, le revenu net de cette famille se situerait entre 200 et 240 milliards de dollars. Vladimir Poutine. Et voici enfin arrivé le tour de l'homme le plus riche de la planète, et vous le connaissez bien, puisque c'est nul autre que Vladimir Poutine. Il n'apparaît pas dans la liste des plus grosses fortunes établies par Forbes, mais c'est le numéro 1 des personnes les plus puissantes du monde. Comme nous l'avons dit précédemment, Bill Gates possède 80 milliards de dollars, ce qui est considérable, mais ce n'est rien comparé à la fortune de Poutine qui s'élève à 200 milliards de dollars. Bachar al-Assad. Assad clame qu'il possède seulement 1,5 milliard de dollars, mais c'est bien sûr complètement faux. Certaines sources proches du pouvoir syrien estiment plutôt sa richesse à 122 milliards. Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue, ainsi que vos informations. Le numéro du standard, 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, imaginez-vous, mes chers amis, que ce soir, j'ai beaucoup de surprises pour vous, beaucoup des informations, qui peut-être vous allez voir, mais c'est très important. C'est très important puisqu'il y a actuellement dans le parquet de quoi? Mes chers amis, ce que nous avons pour dire depuis début du mois de février concernant le coronavirus et le livre Les yeux des ténèbres a été écrit en 1981 en parlant de ce virus et beaucoup d'autres informations. Nous sommes tellement ravis de constater qu'actuellement dans notre pays, la France, les grandes personnalités, y compris prix Nobel, confirment ce que nous avons dit il y a déjà quelque temps. En 1933, lorsque les premiers lanceurs d'alerte ont parlé des chambres à gaz, ils n'ont pas été crus. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, nous avons tout à notre disposition avec Internet. Alors, ne me croyez pas sur parole. Mais vous avez la responsabilité pour vous, pour vos enfants et pour les générations futures de vous renseigner, d'aller creuser, regarder, chercher. Il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui s'appuient sur des faits étayés. Une perte de liberté, c'est exactement ce que l'on fait avec le confinement. Perte de liberté qui ont permis de faire passer toutes les lois. Et les lois, les plus horribles les unes après les autres. Nous n'en sommes pas lisez cet article, il est édifiant. Il y a quelques semaines, le professeur Montagné, prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le VIH, nous a alerté en nous disant que le virus du Covid avait été en fait créé par eux puisqu'il y avait une séquence génétique du VIH en fait. Le professeur Montagné a expliqué également que lutte par eux en 50 ans de l'heure qui n'aurait plus rien à perdre concernant le financement ultérieur. Alors, il y a des grandes voix qui se sont soulevées contre lui dans les médias d'État. Et notamment Laurent Alexandre. Laurent Alexandre qui dénonce une chasse aux sorcières et qui vante les mérites du progrès. Laurent Alexandre, je vous invite à aller chercher sur internet qui c'est. C'est un chirurgien urologue qui a cofondé le site Doctissimo qu'il a revendu à prix d'or il y a quelques années. Et il a réinvesti dans une société qui s'appelle DNA Vision,
qui travaille sur le séquençage de l'ADN. Ce monsieur est notamment connu pour ses propos dangereux tenus auprès des élèves de Polytechnique qu'il compare à des dieux et à qui il donne la mission de diriger les masses qu'il appelle les inutiles pour les guider vers la raison. Voilà, mes amis, nous allons écouter le professeur Luc-Antoine Montagnier, né le 18 août 1930 de France, un biologiste, virologue français, bien sûr. Il est membre des académies des sciences et des médecines, enseignant Nouvelle Université de Paris, plusieurs articles écrits, interventions en France et dans le monde, et le plus important, le prix Nobel, et pendant certains temps, directeur d'une section de l'Institut Pasteur, actuellement membre de CNRS. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, en fait, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, c'est-à-dire nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, et dans quel but des séquences. Mais dans quel alors, but là, dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Certains de ça, parce que on a dit que le bruit a couru que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié de la même chose. On les a forcés à rétracter. On les a forcés comment ? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur version, vous avez une grande bande annulée. Moi, je suis, on peut dire, en âge. Et alors, je peux travailler librement. Alors, j'ai donc aucune pression sur moi. Qui peut agir. Sur les livres et les vidéos de Valérie Bugot, qui est docteur en droit et chercheuse, et qui explique en fait que le système économique a été subverti et détourné au profit d'intérêts privés, d'une petite oligarchie. Ceci est profondément antinomique avec le sens originel des monnaies. En fait, cette oligarchie a petit à petit pompé tout l'argent des États et à arroser, subventionner les hommes politiques, les partis politiques, etc., les mettant tous à sa botte et permettant de faire remonter toutes les richesses de nos États à cette petite oligarchie. L'étape suivante de cette oligarchie,
Eh bien, c'est la mondialisation de ce pouvoir, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, les amis. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est très simple. Après la guerre, ont été mis en place des organes mondiaux qui vont piloter un certain nombre de choses par gouvernement interposé. Vous avez l'OMS, vous avez le FMI, etc. Au départ, ces organes étaient effectivement financés par les États. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître des intérêts privés. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'OMS est essentiellement financée par des intérêts privés? On y retrouve la fondation Bill et Melinda Gates, on y retrouve la fondation Rockefeller, on y retrouve la fondation Rothschild, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là font des fondations? Eh bien, tout simplement parce que ça leur permet d'éviter de payer des impôts. Donc, ils prennent la mainmise sur les organisations étatiques internationales et en même temps, ça leur évite de payer des impôts. Le premier, bien évidemment, ce sont des intérêts financiers. Aujourd'hui, ils misent sur les vaccins, essentiellement sur les vaccins à grande échelle, au niveau mondial, parce que c'est le pactole assuré, les amis. La fondation Bill et Melinda Gates a d'ailleurs investi dans 7 laboratoires pour fabriquer des vaccins. Je vous rappelle quand même que cette fondation est attaquée par l'État indien. Elle est attaquée par l'État indien pour meurtre organisé auprès de jeunes femmes et abus de confiance auprès de publics illettrés. Ils ont juste testé des vaccins sur des jeunes femmes en leur disant que c'était bien pour leur santé. Mais regardez, vous allez trouver. Les bénéfices de la vaccination, effectivement, sont colossaux, autant pour les pharmaceutiques que pour les fondations. Pourtant, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'ils sont efficaces? Puisqu'on le voit, l'État indien se retourne contre la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, ce qu'il y a de vraiment perturbant, c'est que toutes les recherches qui sont faites sur les vaccins sont faites par les instituts pharmaceutiques eux-mêmes, par les laboratoires eux-mêmes. Donc, forcément, si on vous demande d'enquêter sur vous-même, vous allez dire que des bonnes choses. Et encore plus affligeant, aux États-Unis, on ne peut pas les attaquer. Pourtant, dans les vaccins, il semble qu'il y ait de dangereux métaux lourds inoculés en même temps. En France, depuis quelques semaines, il y a plusieurs généralistes qui ont repris leur bâton de pèlerin en se disant « Nous, nous sommes des médecins, notre métier c'est de soigner nos patients, donc on va essayer de chercher. » Et a priori, ils ont trouvé qu'une antibiothérapie pouvait être efficace pour signer le Covid. Et alors là, mon Dieu, qu'avait-il fait? Eh bien écoutez, certainement des choses très très graves hein, de soigner leurs patients, puisque le Conseil de l'Ordre des médecins en Moselle leur a ordonné de se taire et de suivre les directions ministérielles. Autrement dit, de ne rien faire, d'attendre que les patients soient en état d'urgence grave pour les envoyer dans des hôpitaux, afin qu'éventuellement on leur administre un traitement. Et le Conseil de l'Ordre des médecins leur demande de suivre les directives ministérielles, donc d'attendre le vaccin. On croit rêver, on ordonne à des médecins de ne pas soigner leurs patients. Donc on voit des enjeux financiers. Premier objectif. Deuxième objectif de cette oligarchie, eh bien c'est la dépossession totale de tout le monde. Effectivement, ce qu'ils cherchent, c'est à nous rendre totalement dépendants, comme on l'a fait en Grèce ou à Chypre, allemand, comme Valérie Duguay. Nous explique le pillage du système économique par l'oligarchie mondiale qui utilise les fonds. En fait, l'économie virtuelle, il y a deux types de l'économie virtuelle et l'économie réelle. L'économie réelle, c'est nous, on travaille tous les jours. L'économie virtuelle, ce sont ceux qui s'amusent à faire des jeux en bourse. L'économie virtuelle était en train de s'effondrer. Alors, pour masquer le truc, a priori, ces experts semblent assez d'accord pour dire que au miracle, il y a eu une pandémie de Covid qui a poussé tout le monde à rester à la maison confinée. Donc l'économie réelle, eh bien, s'est arrêtée. Tout s'est cassé la figure. Eh bien, on pourra vous obliger à vous faire injecter le vaccin avec des puces sous-cutanées pour vérifier que vous obéissez bien. Oui, les puces sous-cutanées, je vous assure, c'est pas des histoires. En fait, on va juste nous obliger à nous vacciner en nous injectant une puce. Et dans quelques mois, on pourra nous dire comme en Chine, attention, si tu n'es pas un bon citoyen, nous te coupons les jambes. Dans les dernières nouvelles, il y a deux jours, le défendant Kennedy a remporté un procès historique face aux industries pharmaceutiques et contre les vaccins. Alors nous en France, on en est là. Vient le 24 avril pour une conférence de presse à l'Élysée. Notre président parle de partenariat innové avec l'OMS, le CEPI, le GAFI, le FMI, Unitec, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates.
c'est-à-dire tous les acteurs du secteur privé pharmaceutique et les autres. Il parle de quatre piliers. L'accès au traitement, avec le développement partout dans le monde. L'accès au vaccin, qui sera imposé. Le développer des systèmes de thèse dans tous les pays et soutenir notre système de soins, qui est contredit d'un autre côté. Mes chers amis, je vous invite d'écouter le témoignage de Dr Jean-Jacques Charbonnier, né le 6 mai 1956 en France, qui est un médecin anesthésiste français, bien sûr. Écoutez. Bon, Dr Charbonnier. Mon docteur, vous devez vous sentir moins seul aujourd'hui. Depuis que le Canard Enchaîné a sorti son article, vous êtes le plus seul à avoir de réelles incompréhensions par rapport aux décisions prises par notre gouvernement. Oui, cet article qui est paru récemment dans le Canard Enchaîné montre que le gouvernement a passé des directives le 19 mars, c'est très précis, pour demander aux services de réanimation de ne plus accepter les personnes âgées et fragiles. Ça a eu un effet, puisque on a pu constater que le 3 avril, le nombre de personnes de plus de 75 ans avait diminué de moitié, de 50%, dans les admissions en service de réanimation, compte tenu de la baisse de la fréquentation de ces services. Donc, en corrélant ça. Et il y a dans le même temps, toujours en corrélant la baisse de mortalité, il y avait 50% de mortalité de plus pour les personnes de plus de 75 ans. Donc ça veut dire que de façon efficace et délibérée, le gouvernement est à l'origine d'un véritable souci. Encouragé par l'euthanasie active, puisque le décret du 28 mars, passé au journal officiel, on peut le vérifier, le 29 mars, a demandé que le Rivotril soit utilisé pour accélérer les fins de vie. Et donc, avec un AMM qui n'est pas du tout celui du Rivotril, puisque ce médicament est donné pour des traitements anticonvulsivants ou en tant que sédatif, et est un puissant dépresseur respiratoire. Donc là, c'est un médicament qui est donné dans le but de tuer, dans le but d'abréger les fins de vie. Donc il y a eu ça cette semaine, cet article du Canard Enchaîné. Et puis il y a eu aussi... Ouais, et le Canard en parle du Rivotril? Non, il n'en parle pas du Rivotril. Il compare juste les chiffres. J'ai pas lu eux. Pourtant, je... Oui. Donc il dit qu'il y a eu cette directive gouvernementale le 19 mars qui a recommandé donc de ne plus accepter les personnes âgées et fragiles dans les services de réanimation. Et ça a été suivi, puisqu'il y a eu une efficacité, on a pu voir le 3 avril que, effectivement, il y avait une diminution de 50% des admissions en réanimation des personnes de plus de 75 ans. Donc voilà, il y a quand même une perte de chance incroyable, quoi, qui s'est passée à cause de cette directive. Il y a d'autres collègues, est-ce que vous avez des collègues qui protestent également, ou qui s'étonnent, ou qui posent les mêmes questions que vous, ou les mêmes incompréhensions? Vous avez vent d'autres collègues comme vous qui tirent un peu la sonnette d'alarme en disant mais que faites-vous là? Mais oui, bien sûr, mais on en parle entre nous, mais personne n'ose parler de façon publique, parce que les gens ont la trouille, tout simplement. C'est tellement coercitif. C'est tellement, on est tellement dans une dictature actuellement que pour s'exprimer, il faut vraiment avoir du courage. Bon, moi je le fais parce que c'est mon tempérament. Je serais beaucoup plus malheureux de ne pas parler de ces choses-là et de me taire. Donc moi, il faut que ça sorte. Il faut que les gens soient au courant. Et je dis qu'à un moment donné, il faut savoir s'indigner, il faut savoir se révolter, parce que c'est pas normal que un gouvernement comme ça passe outre ses obligations et passe outre aussi ses devoirs et aussi ses pouvoirs. Parce que le pouvoir d'un gouvernement, ce n'est pas de dire aux médecins comment ils doivent soigner les patients. Ce n'est pas au gouvernement de dire quel patient on doit choisir. C'est pas à lui de nous dire tout ça. Donc, il y a un problème d'ingérence médicale. Et là, encore une fois, j'espère que le Conseil de l'Ordre va taper du poing sur la table pour dire stop, c'est à nous, médecins, en fonction du serment d'Hippocrate, d'exercer notre pouvoir médical et notre devoir médical. Voilà.
Alors il y a eu ça cette semaine, et puis il y a aussi les révélations du professeur Montagnier. Luc Montagnier, vous le savez, je pense, tout le monde le connaît, prix Nobel de médecine en 2008 pour avoir découvert le génome du sida. C'est lui qui a découvert le sida. Encore un grand savant français, on en a deux, on a le professeur Didier Raoult et puis on a le professeur Luc Montagnier. Et ce sont les personnes qui sont les plus maltraitées au point de vue médiatique actuellement. C'est vraiment... on comprend pas ce qui se passe vraiment, parce que là ces personnes-là, il faut les écouter, quoi. Ce sont les personnes qui sont le mieux à même de nous dire ce qui se passe actuellement. C'est votre tour, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Allez, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abassi, écrivain, historien, Amère d'Amérique. Tous les premiers et dernier samedi de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard, 92 23 95 20 92 23 95 20. Oui, et c'est dommage, parfois les amis qui se font fort, on n'a pas...